Ça me paraît beaucoup de pommes, moi. Les balances sont erronées. Ouais, ça me paraît beaucoup de pommes. C'est corsé, ça sent fort. Du bon poivre. Alors, on y va là. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive dessus là. Alors, il est où le petit mélange citron? Fabien, il est derrière. Il est là. Prends ça. Oui. Non, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça? Donc avec une cuillère ou avec un pinceau? Bon, je peux que les bons pots, je regarde. Il n'y a pas d'assaisonnement là-dedans, hein? Il n'y a pas de sel dedans. Tu n'as rien mis? Oui, il y a du sel. Ah non, faut que je mette. On a juste de l'huile d'olive. On recommence. Donne-moi l'huile d'olive. Là, il y en a derrière. L'huile d'olive pour la missile. Voilà. 200 grammes. Je mets 200 grammes d'huile. Attends. Donc alors, soit un petit pinceau, soit une cuillère. Les pinceaux sont... Les pinceaux sont... J'ai vu tout à l'heure. Donc toujours un petit... Non, mais bon, ça va être... Allez, donc tu mets... tu remets tout le temps. Voilà. Moi, ça dépend. Un tout petit peu, hein, vraiment. La question seule, chef. Surtout, les élèves... Après, on mange. Non ? Bah oui, que ça serait tellement bon. Ah oui, d'accord. C'est déjà bon. Allez, alors la saisonnière est souple. Oui, monsieur, ça c'est habilité aux hommes, ça d'avoir le panier. Allez, hop. C'est fait, allez, là, allez. Oh là là, mon Dieu. Allez, mon Dieu. Allez, donc, on va mettre au four là. Donc, au four à 120 degrés, 35 minutes. Ah, mais ça, c'est déjà. Au 35 minutes, on va sonder avec une. On devrait les sortir à 58, et avec l'inertie de la chaleur, ça va. S'il vous plaît. Donc, on va les sortir à 58, et avec l'inertie de la chaleur, alors remise en étuve. Ou le fait d'aller mettre sur le bain-marie, etc., ça va monter à 63. Alors, avec une marge de 1 ou 2 degrés, hein, d'accord. Celui qui arrivera à sortir à 63 du 1er janvier au 31 décembre, il aura un bon point. Et au bout de 30 bons points, il aura une image. Il est parfait. Et au bout de 30 images, il aura un cadeau. Allez, on y va. Ça, c'est donné? Oui, bah, je mets ça et après je pars. Non, c'est pour deux. Voilà. Allez, on y va. 120 degrés. Donc maintenant, on va préparer la même chose avec le poisson très congelé. Ok, voilà. On remet là. On laisse pas passer les choses. C'est fermé là. Avec la feuille de l'or. Après ça passe mieux à monter sauce rouge dessus, en fait on a joué avec un peu de non surgelé, on est plutôt sur 10 à 12 selon l'épaisseur du poisson. Okay. Mais je rappelle bien que l'important,
c'est de sortir le poisson lorsqu'il est à 58 accords du four, et après, le temps de la manipulation, il va remonter pour venir se stacker. Il y a les autres poissons. On est 21, je vais faire passer. Comment ? On est 21. En tout, en te comptant. 21. Ça marche, tu vas. Trop cher. Je peux avoir des assiettes ? C'est le même filet. De celui-ci décongelé, d'accord, d'accord, hein, pour avoir le... Vas-y, Hélène. Merci. Il est parfait, il y a 63, donc... Hein, alors, donc... Non mais, hein, sur la même assiette, vous goûtez celui-ci, celui-ci, d'accord. Monsieur Sabaudi, là, regardez. On va être sur la ligne du Conseil Général. Ça commence à brûler les trucs. Les haricots, on appelle les tournes. C'est bon. Ah. Je peux goûter parce que c'est Richard, il fait son boulot. Et on peut les récupérer où? Je me mets au bout. Je reste pas. Deux, trois. Ensemble, là, de travailler en groupe, je trouvais que ça avait vraiment une émulation, vraiment. Il y avait une dynamique dans. Parce que chacun y apporte son expérience personnelle et c'est très intéressant dans la R&D. Donc, je crois que vous avez passé un bon moment, mais j'imagine qu'il faudra du temps, beaucoup de temps. Passer, on devrait avoir des choses que. Le jeu en vous la chandelle. Voilà, et surtout, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on a vraiment utilisé les produits. On peut estimer que l'assaisonnement sont décongelés, il prend plus de sel. Le mélange, etc. Vous voyez, c'est... Mais les Parisiens, en vue, on a un peu moins, mais je pense que vous voyez, la pizza n'est pas bien. Mais j'ai trouvé ça très bien, super, hein, de voir des différentes cuissons, de voir le point de vue de, voilà, d'un grand chef comme vous. Et ça nous a donné encore un peu plus envie, de motivation, de pouvoir faire mieux, pour essayer de faire manger du poisson aux élèves. Voilà, parce qu'on sait qu'ils n'aiment pas beaucoup, c'est très difficile de le faire manger. Et si l'envie est là, je pense que avec notre savoir-faire un petit peu, la motivation, on peut arriver. C'était très intéressant. C'est intéressant, c'est cette première expérience. Parce que au-delà, il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà du changement, c'est, je dirais qu'au-delà même du statif, c'est une volonté de faire mieux manger les élèves. C'est ça le but. Hein, c'est, voilà. Comment on peut faire mieux, voilà. Hein, à partir du moment où on dit c'est pas comme avant, c'est une nouveauté. Voilà, on vient de le faire, on vient de changer de poisson, on vient de changer mode de cuisson, c'est tout nouveau. Ça leur permet, ça leur donne envie de goûter aussi. Le jour du lancement, je viendrai dans votre cuisine. Ah bah, avec plaisir. Ce jour-là, j'ai pris que du poisson. Ben, moi, je suis ravie de vous connaître. Et je suis très contente de le poisson, la façon dont vous avez préparé le poisson. Et moi, je pense pour cette exo, on va avoir beaucoup plus de gosses en demi-pension avec le nouveau goût. Et c'est vraiment... C'est notre... Je veux dire à la fin. Ouais. Ah, je reviendrai à la fin. Je... La ligne est bon. Avec les pistaches. Ouais. Ah bon, hein. C'est bien dans le baccalauréat, c'est ça qu'il faut.